Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 34e épisode du Let's Play sur LEGO Star Wars, la saga Skywalker. Nous sommes arrivés à Dagobah, mais avant d'atterrir sur cette planète, on va quand même faire le tour de l'espace qui avoisine justement Dagobah, car on a pas mal de choses à y faire, avec notamment la collecte de Brick Kyber avec cette comète là qu'on voit déjà. Et on a aussi, je crois, un personnage qu'on pouvait obtenir normalement via une quête. Donc des choses quand même plutôt intéressantes. Ou après ça va nous mener, parce que aussi bien comme pour la quête secondaire qu'on a fait lors de l'épisode précédent avec Nien Nub, peut-être que ça va nous emmener sur notre planète, hein, la quête personnage, hein. C'est pas impossible. Hop, oh bah ça par contre c'était rapide, hein. La récupération là des 5 Brick Kyber, c'est dans la poche. Ensuite, la quête personnage du coup dans cette direction. Et normalement, il n'y a rien d'autre, hein, il me semble, à faire dans l'espace de Dagobah. Donc, suite à ça, ce sera le moment de rejoindre Yoda en principe sur Dagobah. Oh là là, j'ai la hype! J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Une planète, je pense, qui peut être quand même très intéressante au niveau de l'exploration notamment. Alors, ici, du coup, qu'est-ce que c'est ce perso? What? Quel est donc ce perso là? J'arrive pas à bien voir. Astromécano, alors ding ding, c'est pas le perso, en tout cas l'astromécano. Vous êtes notre 100e client, ce qui signifie que vous avez remporté un magnifique prix. On dirait une arnaque le truc. Une occasion unique de voler au secours de pilotes rebelles en danger de mort. Faites vite, cette offre est à durée très limitée. Non mais ils nous vendent une arnaque là, clairement, c'est quoi cet astromécano? Sérieusement, ils ne tiendront plus longtemps, allez-y! Oh, ouais, ok, très bien. Bah oui, on va accepter un détresse de rebelle. Super! Avancez pour recevoir votre prix et tâchez de revenir en vie. Ah, c'est sympa le prix, j'aime bien, oui, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est où? C'est ici? C'est dans l'espace de Dagobah ou c'est dans l'espace d'une autre planète? Ouais, il nous a rien dit, hein, l'astromécano. Hein. Ah bah je crois que c'est ici, hein. Sauvez les vaisseaux rebelles de la flotte impériale. Quoique. Ah non, c'est bien et bien ici, ouais, ouais, ok. Bon bah au moins on n'a pas à se déplacer pour une fois. J'ai déjà ça de prix, hein. Allez, à l'attaque du coup. Il y a de quoi faire effectivement. Ouais, c'est un peu une bataille spatiale mais en mode survitaminé si je comprends bien. Hein. Oh, c'est à peu près ça le délire. Mais il va se calmer là le pilote rebelle. Il a l'air tout fou. Il est foufou le petit. Ils sont tous foufous en fait. Hein. Pour la faire simple, pour la faire courte. Attends, ok, t'en as un là. Ah, il faut quand même les localiser, là, les adversaires. Oh, t'es robuste, toi, par contre, là. T'es très robuste, même, attends, mais... Il est invincible. Attends, on va lui mettre... Ah, mais c'était... Oh, c'était encore un chasseur de primes, alors qu'on en avait déjà éliminé un la dernière fois, mais ouais, je crois que c'était un autre, hein. C'est pour ça qu'il était aussi robuste. Donc lui, il était pas... Normalement, il était pas dans le cadre de la quête, hein. Mais il se trouvait quand même ici. On se demande ce qu'il foutait là. Hein. Ah, il voulait se faire détruire en même temps que les autres, je pense. Hein. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et il reste un petit vaisseau ici. Hop. Ok. C'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre truc. Merci de votre aide. Venez, on y va, un monde. Un dernier pour la route. Ah. Oh, je fais rouler. Félicitations, en remplissant les conditions de ce prix, vous remportez justement un incroyable bonus. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller vérifier mes circuits. Ah, ok, carrément. Ouais, bon, c'est deux trucs, quoi. Hein. Mais c'est qui le perso, du coup? Parce que j'ai pas reconnu. Attention, et c'est... Ah, bah, c'est juste un mitrailleur technicien impérial. Ah oui, c'est du basique de chez basique. Bon, bah, au moins, c'est récupéré. Hein. Il faut bien, de toute façon, dans le cadre du 100%. Et normalement, voilà, c'est bon. On a le 100% de l'espace de Dagobah. Donc maintenant, on peut atterrir en toute tranquillité. Maître Jedi, du coup, Yoda, let's go. Après, Dagobah, normalement, on y retournera lors de l'épisode 6, hein, en principe. Après, ce sera peut-être juste une cinématique, mais en principe, on devrait quand même pouvoir y retourner. Ouais, ça reste à voir, hein, en soi. En toute logique, oui. Continue l'histoire, ouais, donc là, c'est pas un niveau. Heureusement, sinon, là, on enchaînerait le quatrième niveau, ça ne serait très vraiment plus, hein. Ce serait de la pure folie, le truc. Alors, comment va être la zone de Dagobah? Ouais, c'est une planète quand même assez... Alors, désertique n'est pas vraiment le mot, mais il n'y a pas grand-chose, quoi, à part des marais et Yoda, du coup. Sinon, il n'y a pas grand-chose, donc ouais. Comment ils ont fait en sorte que ce soit un peu attractif, tu vois?
D'habitude, t'as la population et tout, là, bon. Oh, il nage bien en plus, regardez ça. Mais quel talent. Ah mince. J'ai parlé trop vite. Bon, moi je suppose qu'on a notre dîner avec le poisson. Voilà, il y aura des grenouilles en fait, c'est ça. Il y a peut-être des Gungans en dessous, hein, on sait jamais. Imagine, t'as des Gungans. Ah, par contre, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh non, mais. Encore, c'est pas possible. Mais où est notre équipement? C'est encore les petits druides avec les têtes de Stormtrooper, ça ne s'arrêtera donc jamais. En tout cas, je vais pas nager pour aller chercher. Même ici, il y en a. Oh, tu vois là, ça a l'air d'être très intéressant déjà la structure de la zone. Alors, comment que ça se présente? Ah, ça a pas l'air d'être très grand. Bah, de toute façon, attends, on va vite le savoir avec le nombre d'éléments à récupérer. Ah oui, tu vois, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Donc, marais des serpents dragons. Après, c'est peut-être le type de planète où il pourrait y avoir du coup une deuxième zone, accessible pourquoi pas avec l'épisode 6. Mais tu vois, il n'y a que 15 Brickhivers. Hein. C'est peu finalement par rapport à ce qu'on a pu faire sur des zones précédentes. Deux persos, un vaisseau et du coup une data carte. En même temps, il faut se dire qu'ensuite, on va passer sur Bespin. Et Bespin, je pense que ce sera tout le contraire. Hein. Là, on aura une big zone. Ne t'inquiète pas. Mais là, j'avoue, ok, petite zone assez tranquille. Eh ben on va voir quand même ce qu'elle peut nous proposer, ce qu'on peut y récupérer. Là déjà je vois la Brickhiver, hein, forcément d'office. Et je pense que celle-ci, elle va être clairement accessible. Faut juste qu'on du coup on chope ceci. Oh non! Oh les relous! Oh je viens de remarquer! On a de retour un Luke Skywalker en mode héros. Non! Oh non, ça se fait pas. On a pourquoi on est mais ça c'est pas logique par contre parce que tu vois on avait les pouvoirs de Jedi sur Hoth et on a plus les pouvoirs de Jedi arrivés sur Dagobah. Ça c'est ballot hein. Ah oui, c'est sûr que c'est ballot là. Hein. Oh non. À moins qu'attends, est-ce que je peux pas quand même me grappiner? Ah je pense bah non, on peut pas normalement se grappiner sur ça, hein. Faudrait bah, faire on peut double jump et si on peut pas choper ça, on peut pas choper ça. Hein. Oh, choqué déçu là. Hein. Ah, je m'attendais tout sauf à ça. Après, est-ce qu'on va pas les choper là, en fait, pendant cette petite escapade sur Dagobah, à nouveau, les pouvoirs de Jedi. Mais c'est vrai que c'est pas logique qu'on les perde alors qu'on les avait sur Hoth. Hein. Après, il y a un truc aussi, je l'avais pas dit sur Hoth, mais je trouvais aussi que c'était un peu tôt pour les avoir, les pouvoirs de Jedi. Genre, on avait rien auparavant, et là, hop, d'un coup, c'est bon. On avait les pouvoirs de Jedi, alors que normalement, bon, on les a plus, justement, via Dagobah, quand on a la rencontre avec Yoda qui va un peu nous former. C'est vrai qu'on les avait, du coup, sur Hoth un peu en avance. Alors ici, il y a la data carte, mais du coup, tout va être en hauteur, mais... Alors après, oui, ici, on peut y accéder, vu qu'on a quand même le grappin avec Luke, c'est vrai. Et R2. Là, par exemple, cette data carte... Ah, bah si, par là. Bon, après, data carte, là, maintenant, c'est plus très utile, hein. Mais bon, on les chope quand on peut, de toute façon, hein, ça sert à rien de les laisser à côté. Bon, la zone n'est pas très grande, donc en vrai, ça va être assez facile de faire le tour. Ici, du coup, il n'y a rien à y faire. Cette Brickhiver est inaccessible. Là, du coup, je sens que ça va être encore l'inaccessibilité qui va se présenter à nous, vu qu'il y a des caisses. Mais bon, les caisses, on peut pas les soulever, quoi. Hein. Pas de force, pas de dinguerie. Voilà, pareil, hein. Genre, attends. Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être passer par là. Attends, ça suit. Ah, quoique. Hé, hé. Ah, bah, heureusement que j'ai regardé, parce qu'il y avait une échelle, du coup. Ça va nous permettre du coup d'accéder à la suite ou pas? Bah ici du coup il y a des prises de grappin. Ça nous emmènerait où ça d'ailleurs, ces prises de grappin? Bah on monte mais ça arrête là tu vois. Après bon ici t'as une tyrolienne. Bah on peut même descendre en fait par là. Voilà, par contre j'ai pas grugé en principe hein. Je veux bien que je gruge souvent le jeu mais là non là, j'ai pas grugé. Genre t'avais quand même littéralement l'échelle donc à partir de ce moment là... Je n'ai point pu gruger. Mais j'avoue, du coup, je sais pas à quoi servent les caisses. Par conséquent. Je sais pas du tout à quoi elles peuvent servir. Donc la suite, ce serait par là. Là, on peut y aller, je pense. Hein. Oh punaise, mais... Pourquoi il s'est pas accroché? Ah! Ah oui, parce qu'on peut pas s'accrocher quand on n'est pas pareil.
quand on n'est pas Jedi, enfin possesseur de force, et il y a une autre, je crois, encore classe qui peut le faire. Mais non, on peut pas. Donc je peux pas accéder à cette brique Kyber. Oh non. Oui, c'est ça. J'ai failli quand même gruger, mais on peut pas. Quoi que je fasse, je peux pas. Oh merde. Ici, ici, il faut la classe de pierre, donc c'est pareil, je suis bloqué. Non, je suis molli. Je vais rien pouvoir choper en fait ici. Hein. Il y a tout qui va rester bloqué. Oh, t'as tout comme une escapade là, c'est quoi ce bordel? Bon, on peut aller des endroits là, je te jure. Ah, mais c'est ça là, tu pouvais sauter si t'avais le truc de pierre et hop. Après, ah, je crois que le chemin au fil était plutôt par là du coup, en sautant là. Ouais, je pense que c'était plutôt ça. J'ai encore grugé. Pff, à chaque fois, hein, je peux pas m'en empêcher, je vous le dis. Hein. Je cherche pas explicitement à gruger, mais quoi que je fasse, ça gruge. Ça gruge tout le temps. Bon bah pour l'instant on a aucune possibilité de récupérer la moindre brique Kyber, alors au moins on a récupéré la data carte. À part ça, y a rien hein. Ah ici peut-être, attends. C'est peut-être la revanche sachant que là. On a déjà fait quasiment le tour hein. Ah mais attends, ici du coup tout sur la gauche il y avait un truc. Ça on l'a pas. Je l'ai pas regardé hein, attends, du coup. Sur la gauche, il y a tout un passage. Donc attends, ce serait vers là-bas. Ah oui, bah oui, ok, je vois. Et du coup, là, c'est la propriété de Yoda, non? Je pense. Donc là, ça, non, on n'y a pas accès. Mais du coup, on peut quand même partir par là. Hop, on va traverser comme ça. Hein. Il y a encore des caisses, par contre, ça sent pas bon. Hein. Ça m'étonnerait pas, de toute façon, que là, on puisse quand même choper les pouvoirs. Alors, ce serait bizarre aussi, d'un côté. Ah non, je sais. Je sais comment que ça va se passer. Là, on a la tenue de pilote. Mais après, on va avoir la tenue avec le débat de retour en mode entraînement. Et à ce moment-là, on sera en mode Jedi, normalement. Oui, c'est forcément ça. Peut pas être autre chose. Oui, bon, c'est vrai qu'au niveau de la tenue, là, en même temps, c'est logique qu'on n'ait pas les pouvoirs. Yes, et maintenant, c'est une brique bloquée par la classe de chasseur de primes. Il y a toujours un truc qui me bloque, hein. Ils me lâcheront pas. L'objectif, de toute façon, je peux y aller ici, parce que l'objectif n'est pas ici. C'est écrit que d'ailleurs c'est chez Yoda. Ah oui, une de Yoda, ok. Bon, sauf qu'il n'y est pas, du coup, hein, pas si tôt. Et ah, il y a une brique Kyber, par contre, ici aussi. Hein. Il y a une brique Kyber, il y a des trucs à soulever, ça doit être lié à ça. Parce que là, du coup, j'ai vraiment l'impression que je peux rien faire, même si... Ah, elle se trouverait là. Ouais, mais il faut sûrement empiler ça, du coup, je pense. Ouais, ça doit être un délire dans le genre, donc ça, on fera au moment venu. Hein, une fois qu'on retrouvera nos pouvoirs de Jedi. Donc, sinon, ouais, là, on peut pas. Ici, par contre, ici, on n'a pas de check. Il y a bien une brique Kyber, au moins, que je peux choper dans les parages, non? Non, vraiment pas? Ouais, je crois que c'est... Ah, ici, il y a peut-être moyen de gruger, par contre. Oh, oui, c'est bon, j'ai grugé. Parce que là, clairement, on voit, il y avait la caisse, elle était faite pour ça. Mais, à partir du moment où on peut gruger, moi, je gruge. Enfin, une brique Kyber! Ça fait plaisir. C'était inattendu. Ah, ici, du coup, ça, c'est à Yoda, non? C'est comme ça qu'il est venu ici. C'est ça, normalement. Du coup, t'as une brique Kyber à l'intérieur. Oui, c'est une capsule, quoi. Ça, je sais pas, par contre, comment on pourrait y accéder. Ah, par contre, les bruits et tout d'ambiance, là, j'adore. Hein. Ah, écoute ça, là, il y a des bruits et tout, là. Ah, bah, c'est le côté un peu d'un côté horrifique, tu vois, que possède Dagobah. Donc là-dessus c'est bien respecté. Bon, je sais pas par contre là, il y a l'air de rien avoir comme accès direct en tout cas pour la capsule, pour ouvrir. Comment que ça se passe? Ah bah celle-ci, j'arrive même pas à déterminer quelle classe pourrait me permettre d'y accéder. Hein. Peut-être juste pour plus tard, à voir. Hein. Pour l'instant je bloque. Ah tiens, il y a le retour de ces trucs là qui sont pour moi un peu des cocons. Hmm. Bon ça normalement c'était indestructible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Lire. Test 417, la nouvelle formule montre une croissance rapide appliquée au cham champignon d'ici. Un datalogue, sentiment champignard. Ah, ça doit être ça. Je peux pas le détruire. Ouais, mais c'est peut-être lié à la machine du coup. C'est sûrement lié à... Ouais, sûrement lié à la machine. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire de quoi avec cette machine? Peut-être que je peux œuvrer là, non?
tu peux pas faire quelque chose avec ça là, s'il vous plaît là, pour une fois. J'aimerais être utile. Donc, pour l'instant c'est pas la joie hein. Ah, est-ce qu'il faudrait pas passer là, tu vois, t'as tout un chemin. Ah, bah, on peut grappiner donc attends, on va voir hein. Quoi ça sert sinon là qu'il y ait la liane et tout, qu'on puisse passer par là en tout cas, je sais pas. Hein. Ah attends, ça enlève ça, ok. Une fois qu'on a fait ça, du coup, c'est bon? Ou alors, si on part, ça va se remettre? Peut-être qu'on peut d'ailleurs basculer jusqu'à là-bas. Ah oui, du coup, oui, ça va enlever la marron, là. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est pas lié, du coup, à la machine. On dirait pas. Parce que là, du coup, on peut faire la même chose ici. Bon, d'ailleurs, là, non, y a rien. Mais là... Voilà. Et là, du coup, on a accès. Alors, on a accès. À moitié. À moitié, parce que du coup, je pense maintenant, il nous faudrait ce champignon. Enfin, ce champignon. Alors, moi, je dis que c'est un champignon, mais... Ah bah non, ça rebondit tout seul. Ok, non, c'est bon. Ah bah, il n'y avait rien à faire. Alors, la machine, en fait, elle était déjà effective. Vu qu'on rebondissait déjà là-dessus. Bon, bah, parfait. Ça, tu vois, c'était bel et bien accessible. Et mine de rien, on est bientôt quand même au tiers des Brick Kyber, hein, niveau récupération. Hein. Sans que là, d'ailleurs, on en a beaucoup, donc attends. C'est peut-être le moment d'améliorer. Je pense pas qu'on va pouvoir tout améliorer. Et on va bien pouvoir améliorer. Parce que là, du coup, ici, on avait tout amélioré, c'est bon. Ici, du coup, hop, on améliore ça. Détecteur d'objets aussi. Bon, après, on le redésactive, hein, que ce soit l'amélioration du vaisseau. Vu que j'ai pas envie d'avoir plus de puissance d'attaque, pareil pour le détecteur. Et il y a ces deux-là aussi qu'on peut... Ah ouais, mais je vais pas avoir assez. Ah, il va manquer 3 Brick Kyber, du coup, là, hein. Parce que bon, l'argent, c'est pas un problème, ça c'est sûr. Mais sinon, il va manquer 3 Brick Kyber, tu vois, là. Ouais. Bon, bah, dès que j'ai 3 Brick Kyber, je tâcherai de m'en souvenir. Et comme ça, on aura cet arbre de compétences à 100%, ce qui est quand même un très bon début, je trouve, hein. Ensuite, on va pouvoir commencer à améliorer les classes de personnages. Bon, évidemment, du coup, je vais focus l'amélioration des classes. Oh putain, c'est quoi cette Brick Kyber, par contre? Pourquoi elle est si simple d'accès? Je sais pas. Ah, bah, c'est parce que c'est bienvenu sur Dagobah, voilà. C'est tout. Mais après, ouais, je vais essayer de focus comme les classes qu'on joue le plus, donc Jedi, héros, et limite vaurien aussi. C'est vaurien, non? Ouais, c'est ça. Parce que bon, les autres, de toute façon, par exemple, tu vois, les méchants, les Sith, je sais qu'on les jouera pas avant d'être sur le mode libre, donc ça sert à rien de les améliorer actuellement. Pareil, les chasseurs de primes, on les jouera pas non plus avant d'être sur le mode libre. Tu vois, il y a des classes vraiment inutiles. Après, Astromécano aussi, du coup, j'avoue, droïde protocolaire, ouais, eux, on pourrait quand même les améliorer un peu. C'est une possibilité. On est de retour, là, on est déjà allé ou pas, là, je sais même plus, du coup. Ah oui, ok, on est de retour ici. Très bien. Donc, où est le lieu où je suis pas encore allé, limite? Ici, je crois que je suis pas allé, hein. Je crois que, ouais, c'est peut-être le dernier lieu où je suis pas allé. C'est très petit, hein. C'est très petit, du coup. Ouais, normalement, ici, je suis pas venu. Ah, sachant qu'ici, t'as une prise grappin. Avec tout un délire de liane aussi, mais... Je peux me grappiner, s'il vous plaît? S'il vous plaît, laissez-moi! Non, je peux pas. Mais ce serait donc avec les lianes, là? Ouais. Attends, du coup... Oh ouais, mais il y a tout un... Oh là là, regarde, il y a tout un délire d'escalade, là, en fait. Attends, ça commence d'où, là? Parce que ça m'intéresse. Il y a toute une escalade, là, qui, j'ai l'impression, elle est sans fin. Enfin, sans fin, elle est continue, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais où est le départ? Ah bah là, ça continue, ça continue. Ah, ce serait peut-être ici le départ. Ah ouais, ce serait ici le départ, du coup. Ok. Et de là, j'ai l'impression, après, on peut aller jusqu'à l'autre bout et peut-être même choper une Brick Kyber. Ah bah, ça va être un T. Ouais. Bah, pourquoi il s'est pas accroché? Mais... Oh... ça commence comme ça, je vais avoir quelques difficultés, je pense, hein. À faire toute cette progression. Aïe, 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 hein. Bon, par contre, ça m'étonnerait qu'on ait du coup une deuxième zone à Dagobah. Hein. Non, 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 non. Si on revient ici, ce sera clairement la même zone pour l'épisode 6. Hein. Bah, de toute façon, on revient à l'habitation de Yoda, donc... Oh non, je peux pas. Oh, même ici, je peux pas. Bon, tant pis. Hein. Donc, définitivement, on va sûrement pouvoir refaire un tour de Dagobah après, si on peut choper les pouvoirs de Jedi, tu vois. Donc, c'est pas si grave, hein, quand on y pense. Après, je viens comme ici, parce que, ouais, il y a cette Brick Kyber, elle est clairement inaccessible. Ah, et ça, c'est la fameuse grotte où on a les hallucinations, non? Je pense, hein. Je pense que c'est ça. Et du coup, ah, ici, il y a peut-être, par contre, quelque chose à faire. 1 sur 4, ok. Donc, ce serait des interrupteurs. Active les 4 plaques.
Ouais. Ah bah ils sont là, attends, là t'en as... Bah, c'est long, là t'en as. Et... Hop, ok. Tranquille. Ouais, une autre brick caveur, c'est la troisième du coup, non? Je crois que c'est la troisième. Sans pouvoir, sans rien, c'est déjà bien. Ah non, 4! Oh, c'est déjà très bien, 4! Et là, du coup, t'as encore... Bon, y a des caisses de partout, de toute façon, hein, sur cette planète. Y a vraiment des caisses de partout. Bon, bah, du coup, ça, on peut l'enlever. Et je pense qu'on peut maintenant s'attaquer un peu plus à l'objectif. Et voir si tout ça va nous mener là où je pense, et j'espère, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Ce serait beaucoup trop bien de choper les pouvoirs. Mais normalement, oui, dès qu'on aura la tenue un peu... Moi, j'appelle ça la tenue d'entraînement, hein, quand on est en mode débardeur et tout. Après, pour l'heure, c'est bon, hein. Enfin, je crois que c'est un débardeur, hein. C'est pas un t-shirt, non, je crois que c'est bien un débardeur. Alors, ici, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Actionner ça, ok. Hop. Et ici, on va donc pouvoir construire un camp. Oui, bon, c'est un bon début, effectivement. Et là, on va pouvoir, du coup, construire le reste du camp, je suppose. Hop. C'est ça, c'est exactement ça. Ça éloignera les insectes et les autres créatures aussi. Pas convaincu. Ça va pas éloigner Yoda, ça c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Et du coup là, Maître Jedi Yoda continue ça. Il ne reste plus qu'à trouver ce Yoda. Oh la tasse Jawa. Son arme éloigne. Aucun mal je ne te veux. Je cherche un Maître Jedi. Oh, Yoda. Tu cherches Yoda? Oh, je me demande bien ce que je fabrique ici. Nous perdons notre temps. Je ne peux rien lui apprendre. Aucune patience n'a cet enfant. Il apprendra la patience. Oh. Yoda? Il n'est pas prêt. Je suis prêt, je... Ben, je peux devenir Jedi. Ben, dis-le-lui. Vrai, tu crois... Oh, par contre, ça, c'est incroyable. Que veux-tu savoir? Oh, c'est vrai qu'avec ce skin, du coup, mais ça, je l'avais vu en plus avant, mais j'avais oublié. C'est vrai qu'avec ce skin, t'as Yoda dans le dos, voilà, sac à dos Yoda. Il est incroyable ce skin, du coup. Et là, c'est bon, on avait pouvoir du Jedi. Donc, maintenant, on va pouvoir choper les Brick Kyber. Comme quoi, je me suis un peu hâté. Quoique, on a fait le repérage. Maintenant, au moins, on sait à peu près comment que ça se présente, la planète. On termine l'entraînement de Maître Yoda. Oui, bah, mon entraînement déjà personnel dans un premier temps, choper les Brick Kyber, ok. Allez, vas-y, on va pour ça. Alors d'abord, bah du coup, on repart du début, bah le début c'était ici. Ouais, c'était ici avec ça. Hop. Utilise la force. J'ai limite l'impression... Ah non, parce que c'est vrai qu'il y avait du coup quand même une Brickhaver avec la classe de pillard et une autre avec chasseur de primes, mais on va quand même pouvoir, je pense, choper la plupart des Brickhaver là. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. Ah non, mais ce skin est incroyable. Hein. Avec Yoda dans le dos, c'est beaucoup trop bien. Le pied sûr. Voilà, bah oui, on a un pied très sûr là. Ah, c'est beaucoup plus simple là, quand on a les pouvoirs. Ici, du coup, bah, on peut venir également. Oh, bah d'ailleurs, je gruge, hein. Oh, je gruge là d'ailleurs, hein, non? Oh, si, je pense qu'il fallait utiliser les caisses, hein. Comme d'hab, quoi. Hop, et d'ici. Ah, bah par contre, ok, ils ont retiré à nouveau l'échelle. Ah mais l'échelle du coup c'était peut-être plus de là qu'on pouvait après la dérouler alors que moi je l'avais déroulé grâce au blaster mais c'était peut-être pas la vraie technique hein. Par contre on fait de ces sauts là, c'est Yoda qui nous donne cette force ou quoi? On fait des sauts je trouve un peu abusé hein, même pour un Jedi. Et encore on n'est pas réellement un Jedi, se balancer d'une liane poilue. Ouh, intéressant. Ici cul-de-sac, il n'y avait rien. Non ici il n'y avait rien. De rien même. Ah les mouvements de d'Anakin, qu'est-ce que je raconte, de Luke, ils me paraissent vachement bons hein, en vrai. Hein. Il a des bons déplacements. Ensuite, bah du coup, la Brick Kyber qui se trouve chez Yoda, on peut la récupérer aussi. Donc est-ce que j'avais raison? Est-ce que c'est une histoire d'empilement? Je pense que oui, hein, oui, c'est clairement ça. Alors après, attends, va falloir bien l'emmener. Je ne vois plus rien là du coup. Aidez-moi. Au secours. Ah putain, mais elle est là-bas, ok, je la voyais pas là. Au pire, on va juste la rapprocher parce que sinon. Je crois qu'on n'est pas rendu. Hein. Faut même emmener ça. Attends. La brique, elle était.
Ah non, la brique elle est là. Attends, attends, non, 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 du coup c'est pas le bon endroit. La brique elle est là, donc faut plutôt disposer ça comme ça. Je sais pas si deux vont suffire ou s'il faut que je prenne la marmite aussi, limite. Ouais, là il s'accroche pas, faudrait prendre la marmite qu'on va utiliser du coup comme une plateforme. Hein, ouais, c'est bizarre, mais bon, ça peut fonctionner, hein, je pense. Alors faut bien empiler tout ça. Je pense là c'est bon. Et comme ça, voilà. Souche de partout. Parfait. Allez, on enchaîne, on ne s'arrête plus. C'est l'enchaînement des briques Kyber. Alors, donc celle-ci, on avait dit que non. Par contre, dans cette direction, on a une brique Kyber. C'est laquelle, celle-ci? Ah, bah ça, voilà, ok, c'était tout simplement avec la force. Oh, bah. Bon, du coup, la récupération va pas être... Ah, oui, quoique. Quoique, quoique. Faut vraiment, là, tu vas me dire. Pas sûr, après, hein. Pas sûr, parce qu'il y a des trucs de force. Donc ça va faire à quoi qu'on craft? On va voir, hein. C'est vrai qu'il y a un truc doré après destiné aux chasseurs de primes. C'est ça mon plus gros problème. Il y aurait deux, du coup, Brickhiver bloqués avec chasseurs de primes, possiblement. Alors ça, par contre, nous, on n'a pas besoin, on le jarte. Hop, et... Je veux bien me soulever. Ok, c'est bon. Ça, faut le lever aussi. Attends, pourquoi? À quoi ça sert de lever ça? Il y a peut-être une utilité, hein. Oula, c'est chelou ça, attends. À quoi ça pourrait être utile? Non, je donne ma langue au chat, là. C'est pour juste les pièces suspendues aussi bien, tu vas me dire. Ah, ça sert de trampoline. Ah. Oh. C'est peut-être juste pour les pièces. Mais nous, on les a absorbées avec l'aimant à pièces, du coup, donc... L'affaire était plutôt simple, hein. Bon, disons que là, ouais, du coup, il faudrait un chasseur de primes. Et je pense même, du coup, à un droïde protocolaire, parce que vu que c'est une petite trappe, je pense qu'il faudra rentrer à l'intérieur par la suite. Donc, ce serait en deux temps. Ici, du coup, c'est non. Ensuite, ici... Ici, ici, ici... Bah là, on en avait pas directement, mais à côté, il y a par contre bel et bien une brick Kyber. Enfin, à côté, ouais. Ah, il y a le Wookie, par contre. Non, c'est vrai que lui, par contre, on l'a pas croisé sur... On l'a pas croisé sur Hot, hein. Je sais même plus. Bref, il est là, c'est le principal. Ravi de vous revoir. Ah, du coup, attends. Ah non, c'est vrai, j'ai le traducteur universel, c'est pour ça. Oui, parce que Luke, je pense, sinon, il comprend peut-être pas les Wookiees, quoique, si, peut-être, hein, je sais pas. Il y a peut-être ce don, tout comme Obi-Wan. Donc, ravi de vous revoir. Difficile de trouver de tels marais de nos jours, authentiques, humides et puants. Dagobah, c'est la reine incontestée des marais. Me parlez même pas des marais de Naboo. Ah mais j'avoue, les marais de Naboo à côté, c'est pas des vrais marais, hein. Là, on est sur une masterclass de marais, hein, si je puis dire. C'est complètement indécent. Du coup, là, bah c'est celle qui nous oblige un peu à escalader, hein. Même si en fait, je peux bouger par là, non? Il se pourrait, oui. Oui, c'est même une certitude. Mais j'aurais pu peut-être gruger d'office, en fait. Bah ouais. J'aurais clairement pu gruger d'office, hein. Oh. Bon, mieux vaut tard que jamais pour gruger après, en soi, hein. Au moins, maintenant, c'est fait. Et du coup, là... Bon, attends, je continue pour voir où ça nous mène, ici, tout ce chemin. Ouais, un peu nulle part, hein, je pense. Ça n'a pas une grande utilité. Par contre, après, oui, il y avait tout un chemin, et plutôt ici. Ça, j'ai envie de le faire, quand même. Donc, si après, du coup, en termes de Brick Kyber... Bah il en reste 3 du coup, ouais bah c'est les 3 restantes, hein, logique, hein. Donc on a tout récupéré, hein. Mais du coup il y en a d'autres qui sont pas accessibles pour l'instant, parce que tu vois 8 sur 15. Mais je pense du coup il y a peut-être un d'ailleurs par contre de Brick Kyber uniquement accessible. Enfin accessible, même débloquable en fait en mode libre, parce que tu vois à chaque zone, il y a toujours des Brick Kyber manquantes, hein. Et là sur une zone aussi simple, tu te rends vite compte que de toute façon, il n'y a pas d'intérieur, enfin si, à part la cabane. Bon après t'as aussi la grotte normalement, mais de la cabane de Yoda et la grotte, c'est pas là où vont se cacher du coup les 4 briques Kyber restants, ouais. Parce que là on serait à 11 avec les 3, donc il en manquerait 4. Tu te demandes quand même où sont les 4 autres, donc... pareil, hein, même là il y a un vaisseau, il y a 2 personnages, tu vois très bien que là on peut pas les débloquer. Donc, pour moi c'est peut-être le mode libre, tu vois, qui nous permet de débloquer tous ces éléments. Parfait, bah je pense pour terminer l'épisode, on va quand même essayer de faire là, le grand chemin. Ça m'intéresse trop. Je veux faire ça. D'ailleurs, aussi bien, c'est dans le cadre de l'entraînement, ça, non? Du coup, le début de l'entraînement, il se trouve où?
Oh, c'est bien, ouais, c'est ça. Ah, bah du coup, si c'est ça, on va peut-être pas le faire, hein. C'est possiblement ça, en fait. Ah ouais, je pense que c'est ça. Ça va nous emmener, en fait, aux quatre coins de ce coin de Dagobah, mais en mode full escalade. Why not? Why not? Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, un épisode un peu plus court, quoique. Eh, normal, en termes de durée, on est quand même sur 30 minutes déjà d'épisode. Surtout que, limite, là, ça faisait 5, voire peut-être 10 épisodes que... Chaque fois, ça durait plutôt 40 minutes que 30 minutes. Donc voilà, on rééquilibre un peu les choses. La prochaine fois, du coup, on terminera l'entraînement de Maître Yoda. Enfin, pour moi, on va plutôt le commencer. Et du coup, ça risque d'être intéressant. Je pense que même, on pourrait accéder du coup à Bespin, parce que ça nous prendrait pas 30 minutes non plus l'entraînement, ça m'étonnerait. En tout cas, tout un épisode. Il y a moyen que la prochaine fois, on soit déjà à Bespin. Comme quoi, la fin de cet épisode 5 va vite s'approcher. Après là, du coup, c'est déjà le... Ouais, c'est le quatrième épisode quand même. Oh, ça pourrait faire 7 épisodes, je pense, sur cet épisode 5. Hein. On verra ça, on verra. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas... Oh putain, il y a R2-D2, il est tout sale. Hein. Mais si ça vous a plu, ouais, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. On se retrouve du coup très très vite pour la suite. Allez, bye. Tout le monde. Oh, yeah.